arrière, espèce de larve malfaisante, hyène. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? Ben en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Oh. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidéra lui répondit. Vous savez, Fulgor, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Non. Hein, quoi? Il est 9h. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Là, machin, mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau! Oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang, où est-il? Mes ongles se détachent, la mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce, originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Ben, je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a Lou adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À trois, on appuie sur la touche envoi. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, piou, c'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma nounoute! Ne dramatise pas, je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire, il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant, nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Ben oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein. Ça me détend. Tant mieux, mais c'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûre que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkerstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou. Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais,
Bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Gretzel Blondilla. Hein? Et... Non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûre que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais... Mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui. Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais du lèche-vitrine maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. Hein? C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Et ta saucisson ravioli. Et même si tout se souffle, tu m'accroches dans ma tiroir. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi. Hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas! Tu m'entends? Allô? Monsieur Demantin? Oh, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends, ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Oh.
Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence. La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition. Moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, hey, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte. Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles... Et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Allez voir un psy. Jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy? Bravo! Merci. Merci beaucoup.